C'est bon, voilà, c'est bon. Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je suis en compagnie de Bounty, qui ne parlera pas beaucoup parce qu'il n'est pas censé être réveillé à cette heure-ci. Mais bon, c'est pas grave. Pour un petit open pack sur Hearthstone, voilà. Grâce à l'argent que je gagne avec mes vidéos, je me suis acheté 40 paquets, histoire de pouvoir me faire un peu plus de decks que je n'avais déjà. Et du coup... Ben on va le faire ensemble. Malheureusement, le jeu est en anglais et ça risque de laguer un tout petit peu parce qu'en fait, je montre les cartes en direct sur, sur Skype Community. Donc du coup, ça lague un petit peu, mais comme ça, il peut suivre avec nous. Une rare, une épique, trois normales, l'agent protecteur normal, Deadly Shot, non c'est puant, éviscération, j'ai déjà. Alors, épique, kidnapper. Ah, pas mal. Et la rare assassin Ravenwood. J'espère avoir au moins une ou deux légendaires. Commune, épique. Et rare et normale. Alors, Berserker Amani, j'ai déjà. Un Seagull, j'ai déjà. Rap, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je connais la carte et c'est un peu cheaté. Alors, l'épique. Mind Games. Et la rare. Oh nice, Druid. Ce qu'est-ce qu'avec ces 40 paquets, je vais pouvoir enfin me faire entre guillemets des decks VIA pour chaque classe. Parce que je m'étais réduit à faire uniquement encore une épique. Je m'étais réduit à faire uniquement le démoniste et le voleur. Ça c'est bien pour un pour le chaman. Alors l'épique. L'arme du paladin, ça c'est cool. Une normale. J'ai déjà. Ça je n'ai pas encore, c'est très bien. Le corsaire. Une rare. Et une normale. Blizzard qui est une super bonne carte pour les mages Frost. Ceux qui connaissent. Normale. Rare. Normal. Bon, un paquet de merde. Corrifération. Sang-froid, je l'ai déjà. William, je l'ai déjà. Lui, je ne l'ai pas. Et au niveau de la rare, sauvagerie du druid. L'ordi. Ah, pas mal. Donc, oui, mon jeu est en anglais. Si quelqu'un le voit, parce que ben, voilà, à un moment, le jeu français, ben, c'est un peu tout le temps les mêmes sons. Alors, j'ai mis en anglais, ça va changer. Un piège givrant, c'est pas mal. Un lâcher de, des loups, c'est bien. La panthère. Ça, c'est une carte totalement cheatée. Et la rare, le bloodset corsaire que j'ai déjà en... J'ai déjà décraft pas mal de fois. Deux rares. Une rare, une épique. Encore une, un deck shaman. Worgen infiltré. Alors la rare c'est... Ah ça c'est une super bonne classe. Et... Oh! Mortal Strike. En doré. Nice. Alors, une rare. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez passer votre meneuse défiant. Je l'avais qu'une fois, c'est bien. Le dragon ferré que je l'avais pas. Druid, ça c'est complètement cheaté cette carte. Pour ceux qui jouent Druid, vous comprenez pourquoi. Silver Knight est une super bonne carte. Et la rare, c'est Young Priest que j'ai déjà, malheureusement. Que je me suis fait chier à craft en plus, ça le pire. Alors, épique. Alors, on vous fait. Oh, joli. Pour un deck chasseur, super bien cette carte-là. Shadow Flame, je l'ai déjà une fois, mais une deuxième fois, ça sert toujours. Sans froid que j'ai déjà, lui j'ai pas encore, le feu follet je pense, et le chibreur que j'ai déjà aussi. Je vais avoir pas mal de poussière, j'ai l'impression. Allez, une petite légendaire s'il vous plaît. Rare, normal. Oh, Golden Common. Très bien, lui je vais l'avoir en x5, j'ai l'impression, ça c'est une super bonne carte prêtre.
Ça, ben, c'est un pirate, mais c'est une super bonne carte quand vous jouez avec un deck soit voleur, soit guerrier, puisque ça prend, ça gagne les dégâts, gain de attaque. Voilà. Donc en gros, si vous avez une arme à plus 3, ben, elle va prendre plus 3 d'attaque, donc ça va faire une 5-3 pour 2 de mana, c'est quand même pas mal. Niveau rare, un Light Bell. Donc ça, une super bonne carte prêtre, qui rend 3 PV à un allié à la fin de chaque tour. Alors commune, rare. Encore un deuxième lightning spawn, deuxième lightning ball, ça c'est bien. Warlock, ça c'est bien parce que j'ai pas cette carte là. Une deuxième fois pour le prêtre. Et la rare, oh, un deuxième Savannah Highman. Alors, épique. Commune, épique. Oh, legendary. Alors, light. Force line. Ah, je connaissais pas cette carte. Leurs yeux, on va ouvrir. Épique. Oui, Bounty, si tu me regardes, c'est ton putain d'arbre de merde. Alors, ta rare. Pas mal. Et attention, la légendaire. Boum! Dragon, Deathwing, Destroyer. Ah ouais, quand même. Et mais ça dans un deck, comment dire, Zo, ça peut franchement être pas mal. Pas mal, je l'avais pas du tout. Parce qu'en fait, toutes les légendaires que j'ai déjà, c'était complètement de la merde sur ce compte. Donc du coup, je les enlevais. Alors, commune. Oh, légendaire! Deux paquets de légendaires. Nice et deux rares. Alors on va ouvrir les communes. Dragon Fury une deuxième fois. Chouette deux fois. Je l'avais pas qu'une fois. Alors Golden rare. Warrior upgrade. Ça je l'avais pas. Une rare. Empereur Cobra. Je l'avais pas. Alors la légendaire. Oh, Gyraxus. Popopo. Lord Gyraxus. Cette carte est complètement fumée. Oh là là. L'enfoiré que Bounty me dit sur TS. Alors commune, rare. Commune. Lightning Ball, c'est déjà le troisième. Enfin pas, je sais pas. Lui, je l'ai décrève tout à l'heure, ça tombe bien parce que maintenant j'en ai un nouveau. Rage, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la rare, un aventurier en quête. Très bien. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre, j'ai eu que des bonnes cartes. Rare, normal. Meilleur défiasse une troisième fois. Une troisième fois le dragon féerique. Blood Imp, le diablotin de sang que j'avais pas encore celui-là parce qu'il me servait pas à grand chose dans mon deck Zo. Le tauren que je n'avais pas non plus, que j'avais sûrement déjà décraft. Et la rare, champion double. Ah ouais, quand même, double attaque d'Amina, pas mal. Commune et commune. Encore une fois un pirate. Troisième fois que line spawn. Quatrième fois le golem. Golem de moisson. Un brisor. C'est très bien. C'est une super bonne carte que je n'avais pas. Et une light warden. Alors, quand un allié est soigné, elle gagne plus 2 d'attaque. Dans un deck prêtre, ça peut être pas mal. Commune, rare et commune. Retresse des lunes, choc de terre, Scarlet Cruiser 2, j'avais déjà deux fois, et Worgen que j'avais sûrement déjà des crafts. Et la rare, c'est. Ah, pas mal pour un deck mage secret. Alors, rare, commune. Alors, Lightning Ball, c'est déjà le troisième. Cercle de soins, j'avais pas. Marque de la nature, ça c'est une super bonne carte druide. L'ancien, c'est pas mal. Quand vous avez dans un tech genre voleur, que vous voulez faire genre un agent du SI7, bah, vous mettez ça et vous pouvez refaire le pouvoir d'invocateur une deuxième fois. Enfin, le. Oh, un commissaire priseur. Je l'avais qu'en un seul exemplaire, je crois.
si je dis pas de bêtises. Donc ça tombe bien. Bon, peut-être me faire un deck miracle. Bounty qui adore les miracles. Alors, rare. Bounty adore la deuxième prêtre. Oh, double carte, donc je l'ai trois fois prêtresse des lunes. Ça, c'est cette carte est totalement fumée contre les decks Zo comme moi. Je supporte pas ça. Un Lightning Storm. Et un Agis. Change l'attaque et la vie. Mignon. Ah, pas mal. Ça peut être sympa cette carte là. Alors, rare, commune. Encore une fois, un Lightning Spawn. Une troisième chouette. Un deuxième fois l'ancien panda, je sais pas comment il s'appelle. Rage, ça cette carte Bounty il utilise très souvent. Et la rare, un berserker, c'est pas mal ça. Je pourrais vraiment faire des decks avec vraiment toutes les cases, c'est vraiment pas mal. L'ancien maître brasseur que nous dit, avec le vieux panda. Alors rare, commune, épique, pas mal le paquet. Alors un quatrième Scarlet, tu veux. On va ouvrir les rares. Oh, le poulet furieux. Oh, joli armor HP. Armor Smith. Ça, c'est vraiment bien, cette carte-là, dans un deck guerrier contrôle comme Bounty. Alors, épique. Spellbender. Quand l'ennemi casse un spell, ça invoque une 1-3 et ça devient la nouvelle cible. Ah, pas mal, c'est un secret. Pas mal, ça. Commune, rare, commune. Oh putain, je me suis fait chier à en crafter une deuxième tout à l'heure, maintenant je la sors. Ah, tant pis. Un Mad Bone Burr, encore une fois, une bonne carte pour mettre dans l'Ekmage. Entité miroir, très bonne carte. Space Mule, c'est pas mal dans un deck voleur si vous jouez encore une fois avec des armes. Et la rare, Star. Encore une carte totalement fumée. Voilà. 5 dégâts sur un minion ou alors 2 dégâts sur tous les autres minions. Donc vous faites ça sur un Dexo. Clairement, le mec n'a plus rien sur sa table. Commune, rare, commune. Un meneur des Fias, un troisième. Un deuxième. Un diablotin de sang. Aventuroco. Lui, c'est un Nervi qui s'appelle en français. Un troisième maître brasseur. Ancien maître brasseur. Et un ancien Watcher. Ça, c'est une super bonne carte quand vous avez une chouette. Couplé à ça, ça vous fait une 4-5 pour 2 de mana complètement fumée. Commune. Rare. Commune. Un deuxième Nervi. Un quatrième ancien brasseur. Un cinquième light pool. Slam, Dilton, si survit. Ah ouais. Bounty utilise aussi cette carte-là. Et la rare, c'est... Oh, pas mal. Lui, je l'avais pas. Alors. Rare, commune. Alors, un troisième encens, ça c'est bien un deuxième Demon Fire, un deuxième Earthshop, un deuxième... Hop. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là en français. Oh, un mage pyromancien, ça s'est complètement pété dans un deck mage. C'est fumé cette carte. Commune, rare. Allez, petite légendaire s'il vous plaît, le prochain. Un deuxième lâcher les chiens, ça c'est bien. Un deuxième Forget Lightning. Un petit pirate, une hyène sanglante. Et au niveau de la rare, un deuxième aventurier en quête. Alors épique, commune, rare, et commune. Oh joli, Golden Common. Copie deux cartes du deck adverse et les met dans votre main. Une égalité. Oh, défendeur d'Arcus en doré. Oh, nice. J'utilise tout le temps, c'est pas trop bien. Et l'épique, c'est
Alors, votre héros est immunisé quand il attaque. Oh putain, le paquet! Bon, cette carte est épique. Bounty me fait rappeler parce qu'elle fait My Shield for Argus. Et deux dorés dans le même paquet. Là, c'était un 1. Franchement, le paquet était épique. Franchement, pas mal. Gladiator Longbow. Super bonne carte. Allez, une petite légendaire, s'il vous plaît. 3 légendaires pour 40 cartes, c'est vachement bien. Commune. Rare. Commune. Commune. Rare. Un siphon. Oh, j'oublie leur couteau, je l'ai déjà en double, c'est dommage. Un petit amasseur de butin. Un deuxième Hurting Wolf, ça c'est bien comme ça, j'en ai deux. Alors, rare, commune, 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 et commune. Bon, Aldor, je l'avais pas. Le corsaire, ça m'en fait un deuxième, c'est bien un quatrième ou cinquième maître brasseur. Suivez ma règle! Ouais, c'est lui. Faudrait que je repasse mon jeu en français parce qu'en fait c'est tellement épique en français que voilà. Et un feu, deuxième feu follet à 0 de mana, c'est pas mal. Alors, une rare, commune, commune, commune et commune. Oh, gnome lépreux, deux gnomes lépreux, parfait. J'en avais pas, ça m'en fait deux. Ça par contre, l'agent d'argent, je l'avais déjà en double, voire en triple. Un deuxième inner fire, ça c'est bien. Et la rare, c'est... Oh, la légende, le Mirlock. Commune, commune, rare, rare, commune. Un, je ne sais pas combien, un troisième Nervi. Celui-là, je crois que je l'ai déjà eu une fois. Et... Oh, ça s'est fumé. En fait, ça change. Quand vous faites sur des ennemis, à la place de heal, ça fait des dégâts en fait. Donc le pouvoir d'invocateur, pour 2 de mana, vous faites 2 de dégâts en fait. Donc c'est un peu fumé cette carte. J'ai juste une épique. Un berserker à Mani. Un sixième lightning spawn. Ça je l'ai décrave tout à l'heure, mais c'est bien, ça m'en rend une. Une furie de harpy que je décrave en général. Et la épique c'est... Oh, le pyroblast! Mais nice pour un deck mage, c'est trop pété cette carte. Alors rare, commune, commune, commune. Deuxième amasseur de butin. Oh, celle-là, prêté lunaire, je dois l'avoir au moins 5 fois. Lui, je l'ai déjà eu au moins une fois, je l'avais pas. Celle-là, je l'ai eu déjà une fois en doré, mais tant mieux. Et la rare, c'est Ravenhold des Assassins, que j'ai déjà une fois, donc ça m'en fait deux. Épique. Ouais, je vais avoir masse poudre. Commune. Une troisième ou quatrième fois ça. Celui-là, je n'avais pas. Ça, c'est une très bonne carte haute. Pour un deck druide, c'est fumé cette carte-là. Et la rare, c'est. Oh, le robot. C'est super bien cette carte-là quand vous avez genre des. Un deck, un endlock ou quoi, que vous avez des grosses cartes en main, ça fait le taf quoi. Donc, rare, commune, 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 commune. Un portail d'invocation. Oh, une troisième fois la Savannah, ça fait pas mal. Et un deuxième corne. Deuxième une furie, troisième une fire. Allez, une légendaire dans les 5 derniers. Commune, commune, rare, rare, commune. Pas mal, un Divanishi, ça c'est bien. Marque de la nature, ça fait le deuxième. Armani, je dois l'avoir 4 ou 5 fois. Comment on a... Je connais pas ça, Bounty m'explique. Oh, Golden! Je leur dis... Oh oui, explosif, c'est trop bien ça. Ça fait 5 à 1 million et 2 sur les deux sur le côté. Quoi. C'est un petit balayage en fait. Rare. Épique. Commune, commune. Un troisième. Château Step, ça c'est génial cette carte. Pour faire un petit combo avec Leroy, ce serait bien. J'aimerais bien avoir Leroy Jenkins en fait. Blessing with. Ça c'est pas mal. Siphon Soul, j'ai déjà eu. Épique. Ouh, l'arme des chamans.
Bounty va être dégoûté parce qu'il a, il voulait l'avoir, il a dû la crafter. Allez, plus que 3. Commune, commune, rare, commune et commune. Bon, au pire déjà, 2 légendaires dont une de la classe que je joue déjà. Acolyte of Pain, j'avais pas. Celui-là, j'ai déjà une fois. Je viens de l'avoir le paquet avant. Et lui, j'ai déjà une fois. La rare, comme une surprise. Une troisième fois. Alors, rare, commune, commune, commune. Voilà, pas mal. Une lance de glace, c'est bien une deuxième entité miroir. Un troisième, quatrième nervi. Et la rare, oh, Feral Spirit. Et le dernier. On en profite. Peut-être que si vous avez aimé ce genre de vidéo, j'en referai une deuxième fois. Alors, épique. Commune, rare, commune, commune. Oh, Golden Common, un dragon féerique doré, pas mal. Deuxième fois. Rare, celle-là j'ai déjà eu. Et la épique, elle est bonne carte. Oh, épique doré, nice. Lay of Hand. Voilà, ça fait masse poussière tout ça. On va aller voir. Donc ça me fait ouf, pas mal de nouvelles cartes. On va retirer 300 poussières de double, 320 poussières de double. Voilà, donc ça pour si jamais ceux qui ne connaissent pas, c'est uniquement que vous avez des doubles. Donc on va revoir une fois toutes nos cartes. On a une fois le gardien du bosquet, une fois nourrisson, une fois Starfall. Une fois le druid de la carte, une fois l'arbre de merde là complètement cheaté. Explosion trap, freezing trap, snap, deux fois. Deux fois deadly shot, deux fois ça, ça c'est très bien. Ici, la golden common. Golden epic. Elle vaut combien? 100 poussières, ça va, je vais pas la décrafter quand même, faut pas exagérer. Celui-ci, l'arc ici, complètement cheaté. L'arcane missile. La lance ici qui est bien. Je pourrais essayer de me faire un deck mage OTK. Deux fois le cité miroir. Le Splendbunner, cône de glace. Le blizzard. Le pyroblast à moins 10. Blessing Winter. Égalité une fois. Deux fois repentance. La golden ici. Agent protecteur. Suivez la règle. L'arme qui donne plus 1 à chaque... enfin, plus 1 à chaque truc. Ici, la moins 3-3, complètement épique, là, en français. Lay of Hand, elle, elle doit coûter ma chère. Je sais pas aller à combien, si jamais je veux la décrire. Ah oui, 400 de poussière, quand même. Et le champion blessé. Mind Blast. Ici, au niveau du prêt, j'en ai pas mal. Don des dorés. Ça, c'est bien, je l'ai deux fois. Pas besoin de la recrafter ou quoi. Le Light Wound, je la vaux ma 5 fois. Mind Game, je connais pas, on l'utilise. Put a copy of the random minion deck into the battlefield. Ah, pas mal. Ici, Temple Enforcer, je l'avais pas non plus. Shadow Step, ça, c'est très bien. Strike que j'ai déjà deux fois en doré. Meneur des fiers maintenant que j'ai deux fois. Qu'est-ce que je n'avais pas encore? Voilà, le kidnappeur. En combo, c'est pas mal. Alors, Earthshock. Le Dust Devil. En plus, je l'ai eu deux fois. Ça aussi, je l'ai eu deux fois. Lightning Ball, j'ai deux fois. Storm, j'ai une fois. Doomhammer, qui est vachement une super bonne carte. L'Alferal, c'est mieux de l'avoir deux fois. Alors, au niveau du démoniste, c'est-à-dire mon deck, le Felgard, le deuxième Shadow Flame, un portail d'invocation, Siphon Soul et Jeraxxus. Voilà, complètement cheaté la carte. Alors, upgrade en doré, Inerage, Battle Rage deux fois, ça coûte combien cette dorée ici? 100, pas mal. J'ai
beaucoup de cartes en guerrier. Rampage, Armor Smith, Berserker. Ici Mortal Strike en doré. Que Bounty n'a pas en doré. Et alors au niveau des communes, 36 nouvelles cartes. Le poulet enragé. Ici le Bloodsurker qui sert pas à grand chose, mais bon voilà. Deux gnomes lépreux, ça c'est très bien. Deux fois le pirate. Un Worgen infiltré. Un ancien Watcher. Le bout de Cosser que j'ai une fois en normal et une fois en doré. Le dragon féerique que j'ai deux fois en normal et une fois en doré. Donc du coup je peux en décraft une, mais bon, on va pas le décraft puisque j'en ai pas besoin pour le moment exactement. Un en Mad Bomber. Un Pin-Sized Summoner. First Minion Page Terms. Ah ouais, pas mal. Ça, le pyromancien, l'ancien, tout le monde cheaté. Celle-là, elle est très très bien. Acolyte de l'ancien. Acolyte de la souffrance. Le Murloc qui fait pêcher deux cartes. C'est une des plus intéressantes des Murlocs où je jouais pas un deck Murloc en fait, tout simplement. Le petit heal, c'est sympa. Ici, l'Empereur Cobra. Si vous jouez, si vous arrivez à la laisser, ça fait un peu comme Maixna pour ceux qui connaissent la légendaire de Naxxramas du premier volet. La panthère légendaire, l'aventurier en quête, deux fois. Le Worgen. Le Tauren que j'avais pas lui non plus. Le Argus endoré. Ça, ben, on va le mettre tout de suite dans notre deck. On va regarder comme le reste. Encore une fois, un pirate. Le Divine Shield, ici, une super bonne carte. C'est con que j'ai pas eu un chevalier de sang. Parce que ça fait longtemps que j'aurais bien en avoir un. Je pensais en avoir un. Commissaire Priseur, deux fois. Ça, c'est très bien. Le Silver Knight, nice, plus que 3, la Wind Harpy en 2 fois, Ravenhold en 2 fois, et la dernière, le Deadwing. Voilà, donc ça fait pas mal de nouvelles cartes, pas mal de poussière, ça c'est nice. Ah oui, on va mettre le Argus, pardon. Alors, le Zoolock. Argus, où es-tu? Et ici, on va en enlever un, on va le mettre en doré. J'ai rien eu d'autre en doré, je crois. Shadow Flame, non. Non, je crois que c'est bon. Et alors, dans mon deuxième Zolo King, on va enlever un Argus. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous dire à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur Dofus et peut-être sur d'autres jeux. On ne sait jamais, peut-être des vidéos fun, encore une fois, sur StarCraft avec des mods, avec des amis. Je vais essayer, si ça vous a plu, de refaire dans pas longtemps, encore une fois, une ouverture de paquet. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!